Salut à tous, aujourd'hui je viens pour faire une vidéo sur... Bah vous l'avez vu. Donc je vais pas dire que c'est pas parce que je ne veux que... Là. Je ne vais... Salut à tous, aujourd'hui je viens pour faire une vidéo qui est un petit peu... On va vite on va dire parce que je n'avais pas de vidéo prévue pour aujourd'hui mais j'avais quand même envie d'en faire une. Donc je vais pas vous dire que c'est pas pour vous montrer mes cadeaux de Noël puisque je vais littéralement vous montrer mes cadeaux de Noël. Et donc, mais c'est aussi, enfin on va dire que c'est pas le but premier, c'est que je trouve que ça peut être aussi des idées de cadeaux si vous en avez des encore à offrir. Donc, je vais commencer par ceci, même encore l'étiquette, qui est un présentoir à bijoux qui vient de chez Maison du Monde. J'ai essayé de vous mettre en barre d'infos chaque objet avec le nom du magasin, mais pas le lien parce que j'ai pas forcément envie de voir le prix que ça a coûté, vu que c'est un cadeau. Et donc ça vient de chez Maison du Monde et c'est un petit présentoir avec des petits oiseaux qui est vraiment trop mignon et je pense que ça va dans chaque chambre. Ma soeur a su la même chose, enfin mes deux soeurs ont su la même chose de la part de mes grands-parents. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée parce que ça peut aller dans partout vu que c'est quand même assez simple. Enfin assez sombre on va dire aux couleurs. Je suis pas maquillée, pas coiffée et pas suffisamment bien habillée parce que on est le 27 décembre, donc hier c'est mon anniversaire vu que je suis née le 26 décembre et c'est le lendemain, enfin c'est aussi la pré-fête, je suis fatiguée, j'avais pas tout envie de me préparer et j'ai dû ranger ma chambre ce matin, donc j'avais pas du tout envie de me préparer alors que je sortais pas. Et donc voilà, on va faire abstraction du non-maquillage sur une chaîne de maquillage. Dessus pour Noël de ma tontine, donc je dis de pour Noël parce que il y a aussi mon anniversaire comme vous l'avez certainement vu. Une petite boîte de chez L'Occitane, donc elle est toute mignonne, j'espère que vous la voyez bien. Et dedans il y avait un... comment ça s'appelle? Un cube pour la baignoire, donc à la pêche, ça sent trop bon. Et une petite miniature de la crème hydratante normale, qui sent vraiment très bon. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée pour les petits cadeaux on va dire, parce que c'est trop mignon dans la petite boîte comme ça, et une crème hydratante c'est toujours utile. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, toujours dans les produits hydratants, enfin utiles on va dire, je suppose que je suis pas la seule à déjà avoir reçu ce type de produit. C'est les coffrets chez Body Shop ou chez Yves Rocher. Donc c'est avec leur gel douche. Donc il y a le gel douche, c'est celui, la gamme de Noël, donc avec la clémentine et épices, le gel pour les mains, enfin le lavant pour les mains, je peux vous appeler. Gel lavant pour les mains, la crème pour les mains, la body lotion, le lait pour le corps, le petit beurre de cacao et une fleur de douche avec un truc encore derrière. Et moi je suis toujours contente quand même de recevoir ce truc là. Enfin, si j'en reçois 10 sur l'année, non, mais souvent j'en reçois un. Et c'est toujours chouette parce que je trouve que c'est toujours bien présenté. Là c'est une espèce de petit. On dirait un petit traîneau un petit peu comme ça. Et donc j'aime bien. Après, pour mon anniversaire, donc c'est peut-être un petit peu juste pour moi que j'aime bien, on va dire, mais c'est des oreillettes comme ça. Donc oui, c'est un peu envahissant, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Je sais pas si je les mettrais parce que c'est vraiment très grand, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Donc même pour la décoration de ma chambre, c'est des petits rennes et donc c'était vraiment trop chou. Donc voilà. Je pense que ça vient aussi de chez Veritas, mais c'est en soi pour les écharpes. C'est une grande écharpe grise qui est de la taille d'une couverture. Et donc j'adore les écharpes, la mienne commence à être un petit peu vieille vu que je mets toujours la même pendant un an et ça commence à s'abîmer au bout d'un an quand même. J'ai cassé mon ongle. Je viens juste de les faire. Oh là là, c'est pas possible. Et donc c'est une très grande écharpe, j'adore les grandes écharpes parce que j'ai toujours froid. Donc j'en mets même deux moi d'habitude, donc comme ça je vais pouvoir les remplacer. Voilà, il fait bien chaud comme ça. Ensuite je pense que c'est un petit peu à la mode cette année-ci puisque je pense que je connais beaucoup de gens qui en ont reçu, mais ça fait toujours plaisir. C'est donc là c'est un coffret mais c'est en particulier les produits Rituals, donc c'est des shampoings qui se transforment en mousse et ils sont hyper agréables. Donc moi j'ai reçu un coffret, je vais peut-être pas l'ouvrir. Et donc la boîte est déjà magnifique. Je pense que je vais la garder et je vais la mettre sur un meuble comme ça, tel quel.
Donc ça, j'ai reçu pour mon anniversaire. Et donc dedans, il y a, je vais le mettre comme ça, le gel douche en mousse. Là, c'est une huile de douche, donc là, c'est plus liquide. Une crème hydratante et un scrub pour le corps. Et cette odeur, enfin, toutes les odeurs de chez Ritual, toutes les odeurs de chez Ritual sont extrêmement bonnes, donc c'est assez facile de choisir comme ça. Oh, j'aime bien l'odeur. Et donc voilà, donc j'ai reçu ça. Et je suis très contente. Ensuite, de ma soeur pour Noël. Elle m'a offert, parce qu'elle sait très bien que j'aime bien les bonbons, ça vient du magasin Tiger, je pense que je prononce assez bien. C'est un distributeur français, je ne saurais pas le dire. Donc c'est comme au cinéma où on va à la peine chercher des bonbons, mais en mini. Et donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu quand même, c'est pas trop éclairé. Et je suis très contente, je vais essayer de mettre des bonbons dedans et le mettre dans ma chambre. Mais je trouvais que c'était une bonne idée, c'est assez marrant et c'est plutôt drôle pour ceux qui aiment bien les bonbons. Voilà. C'est plutôt l'idée de comment ça a été présenté qui était chouette. J'ai reçu une boîte en métal, comme ça, où c'était une cassette. Mes cousins ils ont reçu en forme d'appareil photo et ma soeur c'était en forme de radio, je pense. Mais dedans, pour ma soeur et moi en tout cas, c'était un peu en remplacement d'une enveloppe, donc qui est quand même plus chouette qu'une enveloppe, donc où il y avait de l'argent dedans, si vous n'avez pas compris. Et donc voilà, donc j'ai reçu ça pour Noël. Et c'est plutôt chouette, parce que c'est plus beau qu'une enveloppe quand même, c'est plus utile qu'une enveloppe. Pour mon anniversaire, j'ai reçu, parce que j'ai rangé là, mais c'était pas la même personne, un coffret Wonderbox. Donc ça, c'est quand même des choses assez chouettes pour. Comme ça, on peut quand même choisir ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de choix de Wonderbox. Donc ça c'est plutôt chouette comme cadeau. Et là c'est une activité à deux, enfin un moment en duo, un peu partout en Belgique. Et donc je vais pouvoir aller certainement au restaurant avec mon amoureux. Et aussi, je ne sais pas si, enfin je suppose que vous avez remarqué, il y a un grand éclairage sur moi. Et c'est parce qu'en fait j'ai commandé une seule chose pour mes fêtes. Et c'était donc à mon père, j'ai demandé, donc c'était pour la Saint-Nicolas et la Noël. J'ai demandé des éclairages parce que ça m'énervait de ne pas pouvoir filmer quand je voulais, où je voulais, et aussi que ça ne rendait pas aussi bien que ce que je voyais en vrai. Donc j'ai demandé deux éclairages softbox. Donc il y en a un qui est toujours rangé et un qui est juste là, je vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu trop éclairant. Mais donc je les ai reçus et j'en suis très contente parce que je peux enfin filmer alors qu'il est actuellement presque 20h du soir, donc c'est vraiment chouette de pouvoir filmer après avoir fait une journée. J'ai aussi reçu ce que vous voyez ici, donc je sais pas si vous voyez bien, je vais pas la changer de place parce que sinon vous allez voir encore moins. Je vais me bouger peut-être par contre. C'est les couvertures que Sirène, donc ils sont quand même fort à la mode pour l'instant. J'ai reçu par ma soeur pour mon anniversaire et donc comme vous voyez elle est bleue, je trouve que ça fait très petite sirène. Enfin la petite sirène, la vraie petite sirène. Et je trouve ça trop cool. Je vais pouvoir me mettre dans ça pour étudier pour mes examens. J'ai aussi reçu un cadeau personnalisé de mon amoureux pour mon anniversaire. Je vais quand même vous le montrer parce qu'il va être content que je le montre, je sais bien. Donc c'est un cadre, c'est sur Photobox je pense. Donc il l'a personnalisé en espèce de... C'est une espèce de toile où la photo a été imprimée et puis vous pouvez mettre un message ici. Donc voilà, c'est une photo de nous deux pendant un camp scout. Voilà, j'ai aussi reçu, ça c'est parce que je voulais, juste pour, parce que je suis vraiment extrêmement contente. J'ai reçu pour mes 18 ans, vu que c'est, enfin j'ai fêté mes 18 ans, donc bien sûr, chez moi, c'est un anniversaire un peu plus grand, vu que c'est la majorité. Et donc mes parents, enfin ma mère et mon beau-père m'ont offert un week-end à Disney avec cette personne-ci. Donc je suis vraiment trop contente et donc dans un mois je vais être à Disney, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai fait le tour des cadeaux que je voulais vous montrer et j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est en fait une vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube, certainement parce que je suis un peu curieuse, peut-être pour comparer un petit peu ce que j'ai eu par rapport aux autres et voir ce que les autres ont reçu aussi. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup regarder sur YouTube, donc je voulais le faire. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin d'année, un joyeux Noël en retard et peut-être
une bonne année si vous regardez après la nouvelle année. Et je vous dis à la prochaine.